السلام عليكم. السلام عليكم. وسهلا ومرحبا. يا سادات ويا سادات، جاكم شي خبر الوفاة؟ محمد بوضياف توفى مات، يرحم الأميمة اللي ضنات. ما قتلتوش فرنسا بالطيارات، وما قتلتوش فرنسا بالإشارات، قتلوه ولادة الجزائر نهار الجمعة في عنابة بالذات. الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه. Ma seule garantie, c'est qu'il n'y ait pas de sang en Algérie, qu'il n'y ait pas d'émeute en Algérie. L'essentiel, c'est d'apaiser cette situation. Je n'ai aucune condition à poser, parce que les gens avec lesquels j'ai travaillé, c'est des frères. Et ma position, ma décision est venue quand j'ai senti que je pouvais apporter un élément d'apaisement dans cette situation. Avant cette époque, il n'y avait pas d'autorité de la loi. Il y avait une anarchie monstre en Algérie. Chacun se prétendait être le guide de l'Algérie. Les mosquées sont devenues des estrades où on faisait des professions de foi délirantes, et ainsi de suite. Cela n'existera plus. Quand un type se prétend être un musulman et que se permet d'envoyer des jeunes pour tuer d'autres jeunes de la même nationalité, ça, ce n'est pas notre islam. Vous avez hier, en recevant la presse nationale, parlé de dialogue national. Est-ce que ce dialogue irait jusqu'à discuter avec le fils ou certains de ses dirigeants actuellement prisonniers? Il faut dialoguer avec les gens qui posent le problème de la démocratie en termes sains.
en termes clairs, mais pas avec des gens qui utilisent la mitraillette et le reste. Et d'un, et de deux. Je pense que s'il y a dialogue avec la société algérienne, qui est constituée dans sa grande majorité par la jeunesse algérienne, c'est de pousser cette jeunesse à s'organiser autour de ses difficultés, à présenter des programmes. Et je crois que c'est là le grand dialogue. Monsieur le Président, vous avez eu dans la version écrite de votre discours du 10 janvier des mots extrêmement durs contre la mafia, la corruption, les prévaricateurs qui régnaient jusqu'aux sphères les plus hautes de l'État. Est-ce que vous pouvez changer les choses sans changer les hommes? Est-ce que ça veut dire qu'il y aura une épuration en Algérie? Le pouvoir s'engagera dans la légalité. Parce que ce qu'il faut éviter, ce sont des règlements de compte. Il n'y en aura pas de règlement de compte, mais d'envoi légal, tous ceux qui ne sont pas capables de choses, nous allons les poursuivre et l'État prendra toutes les mesures nécessaires en vue de ramener ses biens pour l'État. Monsieur, je crois, vous avez encore des questions, s'il vous plaît. Allez-y, parce que je vais arrêter, parce que je pense que nous avons fait le tour de toutes les questions. Et je vous remercie beaucoup. Et je vous fixe rendez-vous pour la prochaine, pour nous expliquer. Merci beaucoup. العبد البشر عنده حياة قصيرة وغدوة رايحين كل المنات الوقت هو الإنسان كارش فيها المسؤولية والناس تشوفها ترتاحت على المسؤوليات كده. لكن إنسان مقتدر بسم الله وعلى هذا كذلك نجعله يعني تكون مقاييس وتكون يعني كذا فيما يخص المسؤوليات وهي الكفاءة وهي النزاهة وهي كذلك الإنسان يجي باش يعمل الاجتهاد يعني العمل يعني كذا احنا نشوفوا هذا الدول اللي فاتتنا باش فاتتنا بالعلم والدين تاع الإسلام.